À l'occasion de l'achèvement de la restauration et de la réhabilitation de l'ancienne douane. Et ça rentre dans le cadre du projet de la reconversion du port de Tangéville, qui a été initié par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et dans le cadre de ce programme de reconversion, il est question d'unir le port et la ville à travers plusieurs composantes. D'abord, à travers l'ouverture du port sur la ville, donc toutes les clôtures ont été supprimées, et en même temps par la réhabilitation de toute la muraille qui ceinture l'ancienne médina de Tanger. Et bien sûr, les grandes bâtisses, les grands monuments qui se trouvent à proximité de cette muraille. Et cette bâtisse, il en fait partie. Vous savez, par le passé, Tanger a toujours été rattaché avec son port. On peut même dire que l'histoire de Tanger est confondue avec celle du port. Et cette bâtisse, c'était par là, au passé, toutes les marchandises qui arrivaient du port, parce que par le passé, il y avait un débarcadère juste en face de ce bâtiment. Et les gens, ils passaient par là, donc ils payaient les droits de douane. Il y a une balance qu'on a restaurée qui se trouve derrière nous. Et de là, il y a une porte qui donne directement sur la médina de Tanger. Et c'était l'occasion, à l'occasion de cet événement, d'ouvrir une fois pour toutes cette porte, Bab Diwana, cette porte aujourd'hui qui permet aux touristes, aux croisiéristes, aux gens qui viennent du port, ou même, je dirais, aux visiteurs de Tanger tout court, d'accéder directement à travers cette porte à la médina. Et vice-versa, ça permet aux habitants des anciennes médinas de raccourcir leur arrivée au port à travers cette porte. Cette exposition présente l'évolution de la zone portuaire de Tangéville depuis 1471 et comprend des gravures qui remontent à des périodes d'occupation portugaise, anglaise, aussi des photos de Tanger entre les années 1684 et 2010, ainsi qu'un coin pour montrer le nouveau visage du port de Tangéville après le projet de reconversion. On a également prévu un coin pour présenter les objets qu'on a trouvés lors des travaux de reconversion et les restaurations des murailles de Tanger, tels que des pions en bois du premier débarcadère du port de Tangéville construit en 1882, des vestiges trouvés lors des travaux de restauration de Dar el Barood, ainsi que d'autres articles importants que vous pouvez voir pendant votre visite.